blast Bonjour à tous. Du coup, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de SPL, autrement dit de bibliothèque standard PHP, et on va le faire. Euh, bah, en fait, on va en parler euh, comment on l'utilise au quotidien. Le titre de ma slide, du coup, c'est la suivante, mais je souhaitais apporter une petite euh, précision. Euh, la SPL, c'est une bibliothèque qui est arrivée avec la version 5.1 de Symfony, donc ça fait, non, la de PHP, donc, ça fait un petit moment qu'elle existe. Euh, du coup, bah, ce qu'on va voir, c'est comment l'utiliser au quotidien en 2023. Du coup, vous l'aurez compris, moi, c'est Florian Merle. Je suis développeur euh, backend. Euh, je travaille à Akawaka, donc on est une ESN euh, qui est spécialisée dans des technos comme euh, Symfony, Silus. Et euh, si vous êtes intéressé par ce que je fais au quotidien, vous pouvez aller voir euh, mon travail sur GitHub et euh, sinon, bah, me poser des questions sur Twitter. Donc euh, la première chose qu'on va voir, la première chose qu'on va se poser comme question, c'est qu'est-ce que c'est que la euh, SPL. Si on regarde la documentation de PHP, ce qu'on va pouvoir apprendre, c'est la chose suivante. Donc la bibliothèque standard PHP, c'est une collection d'interfaces et de classes qui ont pour but de résoudre des, des problèmes communs. La SPL, elle fournit une, euh, un lot de structures de données, un ensemble d'itérateurs pour pouvoir traverser des objets, des interfaces. Euh, des exceptions standards, ainsi que certaines, euh, un certain nombre de classes pour pour travailler avec des fichiers. La SPL aussi, elle propose des fonctions comme SPL autoload register. Également, il faut noter que la SPL c'est euh, une bibliothèque qui arrive avec PHP, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'installer pour l'utiliser. Donc finalement, euh, si je résume, la SPL, ça comprend quoi Ça va comprendre les grandes parties suivantes donc des structures de données des itérateurs, des interfaces, des exceptions euh, et euh, un certain nombre de fonctionnalités diverses qu'on ne va pas pouvoir réellement catégoriser, euh, en tout cas remettre dans le même chapeau. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, euh, je voulais parler un tout petit peu de la FUP et notamment du forum PHP. Euh, déjà tout simplement pour dire que bah, c'était un super événement et euh, je le pense réellement. Et que, et que bah, ça permet de regrouper toute la communauté PHP tous les ans. Donc, vraiment, c'est top pour ça. Et du coup, un grand merci à la FUP. Et euh, également, bah, ce que j'aimerais faire, c'est redonner un petit peu à la FUP bah, ce qu'elle nous donne tous. Et pour ça, bah, je me suis mis comme objectif de sponsoriser la FUP l'année prochaine. Pour ça, euh, je suis allé voir. Euh c'est pas, pas vraiment vrai. C'est pas vraiment vrai. <laughs> Mais pour ça, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller voir bah, quels sont les sponsors cette année pour bah, piquer l'idée d'un des sponsors et euh, redévelopper et prendre sa place euh, l'année prochaine. Du coup, je ne citerai pas de nom, mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un lecteur de musique. Donc c'est parti. Euh, je viens créer mon lecteur de musique, donc une classe PHP, Player. Et cette classe, elle va avoir un constructeur qui prend deux arguments. Le premier, c'est un tableau qui va contenir notre liste de sons, et le second, c'est tout simplement un entier qui va être le volume en pourcentage. Je vais également créer un accesseur pour récupérer un son en particulier en fonction de son index. Et ce qui se passe, c'est bah, je vérifie si mon son existe. Si c'est le cas, bah, je le retourne, et s'il n'existe pas, je vais retourner false. Également j'ajoute un mutateur pour modifier mon volume. Euh, mon volume je le considère euh, valide uniquement s'il est compris entre 0 et 100 parce que c'est un pourcentage. Donc s'il est euh, compris entre 0 et 100, euh, c'est cool, je le modifie et je retourne true. Et euh, autrement, bah, je retourne euh, tout simplement false. Euh, bah, c'est parti, on peut commencer à utiliser notre lecteur de musique. Ici, euh, bah, je vais euh, l'instancier, donc je crée un nouveau player. Je mets un certain nombre de musiques et un volume. Ce que je vais faire maintenant, c'est récupérer mon son numéro 1. Donc, ce qu'on voit, c'est que je fais get song 1 et en effet, bah, j'ai mon son qui, qui s'affiche. Si j'essaye de récupérer le son numéro 2, enfin le son numéro 8 plutôt, c'est un, une musique qui n'existe pas. Donc, on va me retourner false et comme ça, je vais pouvoir modifier mon affichage. À présent, je souhaite modifier mon volume. Donc, si je passe un volume valide, 50, et on voit que, bah, c'est cool. Euh, mon volume a été modifié, euh, donc c'est parfait. Si j'essaye de passer 120, bah, là, ça marche pas. On voit, euh, on a une petite notification qui est rouge. Donc ça, c'est un peu la manière old school de faire de, en PHP. C'est-à-dire que euh, bah, on va utiliser des, euh, des, des booléens pour savoir si notre euh, fonction s'est euh, bien déroulée. Sauf que bah, un booléen ça porte pas énormément d'informations. Euh, on ne sait pas exactement ce qui s'est mal passé. Et également, on est obligé de vérifier forcément le retour de notre fonction pour euh, bah, s'adapter. Il y a une mécanique en PHP qui nous permet euh, de contrer euh, ce problème. C'est tout simplement les exceptions. Donc je vais modifier mon code. Pour bah, intégrer des exceptions. Ici, j'ai une system exception pour bah, les exceptions un tout petit peu plus système, et également une user exception pour quand bah, mon utilisateur me donne des, des, des valeurs qui sont euh, invalides. Et là, euh, c'est là où on va commencer à parler de SPL, puisque je suis complètement en train de redévelopper des choses de SPL. L'ASPL, elle nous fournit justement des euh, exceptions qui font la même chose, donc Runtime Exception et Logic Exception. Et je peux aller un tout petit peu plus loin en utilisant d'autres des, euh, des, exceptions qui étendent de Runtime et de Logic. Ça va être Range Exception et Out of Range Exception. Et si on regarde un petit peu bah, quelles sont les exceptions euh, de l'ASPL, on va voir la liste suivante, on va pouvoir voir que c'est décomposé en deux grandes familles. Donc la famille des logic exceptions, euh, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour les exceptions euh, plutôt utilisateurs, donc l'utilisateur nous donne des mauvaises valeurs. Et runtime exception, euh, bon, par exemple ma, ma base de données n'est pas accessible, je vais peut-être plutôt euh, lancer une runtime exception. Vous l'avez peut-être vu juste avant, euh, dans mon exemple, ce que j'ai fait euh, c'est que j'ai fait un, une inclusion de mon, mon fichier euh, player.php. Donc j'ai fait require player.php pour pouvoir instancier ma classe. Sauf qu'en 2023, c'est quelque chose qu'on ne fait absolument plus. Il euh, y a des mécanismes euh, qui s'en chargent pour nous. Et en fait, ce mécanisme, ça va être la méthode SPL Autoload Register. Dans laquelle on va passer une fonction, et cette fonction elle va prendre elle-même un argument, donc une classe, qui va nous permettre de retrouver le fichier à inclure. Et ensuite, bah, on fait notre petit require euh, à la main, enfin du coup plus à la main. Et euh, ça marche, du coup, euh, je peux instancier toujours euh, mon player. Ça également, bah, ce que je suis en train de faire, c'est euh, réécrire Composer, parce que Composer le fait pour nous. Donc au final, avec euh, les exemples d'exceptions euh, et les exemples de SPL Autoload Register, ce que je voulais montrer, c'est qu'on utilise déjà la SPL au quotidien. Les exceptions, on va pouvoir les retrouver dans des frameworks comme Laravel ou Symfony. Et puis bah, SPL Autoload Register, vous l'aurez compris, ça va être plutôt avec Composer. Donc on vient de le voir, les exceptions, c'est plutôt quelque chose qu'on valide, qui est utile. Euh, les fonctionnalités diverses, donc SPL, de Register, c'est également utile. On en verra un petit peu d'autres tout au long de ce talk. Et la prochaine grande partie à voir, ça va être euh, les structures de données. Donc, euh, les structures de données, c'est quoi si je vais du côté de Wikipédia, ce que je vais pouvoir apprendre, c'est la chose suivante. Donc, en informatique, une structure de données, c'est une manière d'organiser des données pour les traiter plus facilement. Là-dedans, on peut euh, identifier deux grandes parties organiser des données et les traiter plus facilement. Si on prend un petit peu, on fait un pas en arrière et qu'on réfléchit, on a une grande structure de données qu'on utilise absolument tout le temps en PHP. Euh, qui va être les tableaux. Du coup, avant de parler des structures de données que propose ASPL, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des tableaux en PHP pour bah, bien apprécier ce qu'on utilise au jour le jour et voir quels sont potentiellement ses défauts et pourquoi on utiliserait d'autres structures de données. Donc les tableaux en PHP, c'est quoi bah, En fait, euh, c'est clairement pas ça. Avant de parler de tableaux en PHP, ce qu'on va faire, c'est de reprendre les bases et parler des tableaux un petit peu plus classiques, donc des tableaux qu'on pourrait retrouver en C. Un tableau en C, c'est la structure suivante, du coup. Donc je vais allouer de l'espace en mémoire. En l'occurrence, là j'ai un tableau de taille 6. Euh, chaque index de mon tableau, ça va être un entier et chaque index se suivent Donc je vais partir de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Euh, et également, chaque donnée à l'intérieur de mon tableau. Eh bien, c'est des données qui sont typées et qui ne peuvent avoir enfin qui, auront, qui auront toutes le même type. En partant de ce postulat-là, on se rend bien compte que les tableaux en PHP ne fonctionne pas comme ça. Un tableau en PHP, je peux mettre n'importe quel type de clé, que ce soit un string, que ce soit un entier, que ça se suit, que ça ne suit, suit pas. Et je peux mettre n'importe quel type de valeur à l'intérieur. Du coup, c'est parti, on va réellement parler de tableaux en PHP. Un tableau en PHP, j'ai un tout petit peu menti, ce n'est pas un tableau, c'est une hash map en réalité. Et une hash map, ça va reposer sur une fonction de hachage. Une fonction de hachage, on va lui passer notre clé que l'on souhaite utiliser pour insérer un élément. Et cette clé, elle va être transformée en hash. Ce hash il va nous permettre euh, bah finalement de faire de l'accès direct à notre donnée. Donc c'est parti, j'utilise ma fonction de hachage et euh, je vais transformer ma clé fou en un hash, et ça va me retourner 1. Si je lui passe la clé par, euh, je vais avoir à ce moment-là 2. Et si je lui passe base, par exemple, je pourrais avoir à nouveau 1. Donc on va utiliser ce hash à chaque fois pour accéder à notre donnée. Si on regarde euh, la structure d'une hash map, en tout cas la structure d'une hash map euh, en PHP, on va retrouver la chose suivante. Donc, ça va être un tableau redimensionnable de bucket. Un bucket, c'est euh, quelque chose, c'est un concept qui nous permet bah, de stocker notre donnée ainsi que stocker notre clé qu'on va utiliser euh, dans notre tableau. Et euh, le bucket, également, il va stocker tout un tas d'informations qui vont être utiles euh, dans le tableau, enfin, euh, qui va être utiles pour le tableau pour, bah, passer, euh, pour faire de l'itération, euh, des choses euh, comme ça. Donc si je reprends mon exemple de tout à l'heure, euh, j'ai transformé euh, fou en un H, donc le H1. Maintenant je souhaite euh, rajouter un bucket qui va contenir euh, fou. Donc ce bucket il va se passer finalement en face de notre bucket numéro 1, puisque notre H c'est 1. Et hop, je peux insérer fou. À présent on fait la même chose avec bar, donc vous l'aurez compris, c'est euh, notre euh, bar se transforme en H2. Du coup, ça va être en face du bucket numéro 2. Et euh, en ce qui concerne le bucket base, euh, on l'a vu tout à l'heure, base, ça se transforme en 1. Et du coup, bah, où est-ce qu'on l'ajoute, vu qu'on a déjà quelque chose en face du bucket numéro 1 Mais En fait, euh, ce que PHP va faire, c'est qu'il va mettre euh, dans le bucket fou une référence vers le bucket base. Comme ça, si je souhaite accéder à base, ce qui va se passer, c'est que je vais le transformer en H. Donc ça va me donner 1. Je vais prendre le bucket numéro 1. Je vais aller euh, dessus. Je vais regarder ce qu'il qu y a. Ici, je vais avoir Fou. Fou, ce n'est pas ce qu'on cherche. Du coup, est-ce que Fou contient un bucket suivant C'est le cas. Du coup, je vais pouvoir accéder à base. Les tableaux en PHP, ils permettent euh, pas uniquement de faire, que de faire de l'accès direct. On peut également itérer dessus. Pour ça, euh, chaque bucket va contenir une référence vers le bucket suivant, ainsi que le bucket précédent. Mais ça, ça ne nous permet pas de faire de l'itération. Parce qu'il nous manque euh, bah, la tête du tableau et la euh, fin du tableau. Donc PHP en interne, euh, au niveau des tableaux, il va stocker le début de notre tableau ainsi que la fin de notre tableau. Donc on l'a vu, euh, les tableaux en PHP, c'est une structure qui est relativement complexe, euh, qui nous permet bah, de, de répondre à tout un tas de, de besoins. Euh, et euh, finalement, bah, peut-être que euh, ce tableau, avec, euh, avec la manière dont c'est structuré, bah, peut-être qu'il y a des, des choses dont je n'ai pas toujours besoin et que, euh, ou, ou des choses qui me manquent. Et c'est là que bah, on va pouvoir utiliser les structures de données de la SPL pour répondre à ces cas d'usage. Et finalement, euh, ce que j'étais en train de dire juste avant, c'est euh, ce que je voulais dire sur cette slide, euh, c'est que nos tableaux en PHP ils sont optimisés pour toutes les situations. Mais optimiser pour toutes les situations, bah, ça veut dire euh, optimiser pour rien. Typiquement, là, on a un lecteur de musique euh, bah, qui, a priori, euh, peut être utilisé pour faire un, tout un tas de choses, mais euh, à l'utilisation, ça se voit que c'est un peu euh, la galère. Et donc, c'est là que interviennent les structures de données de la SPL. Ce qu'on va pouvoir retrouver à l'intérieur de, de la SPL, c'est les grandes euh, familles suivantes. Donc, on aura des listes doublement enchaînées d'état des tableaux ainsi que des euh, cartes. Et côté implémentation, on va retrouver les choses suivantes. Donc en face des listes doublement chaînées, on aura euh, SPL doubly linked list et SPL stack ainsi que SPL queue. Côté état, on aura SPL heap, SPL max heap, SPL min heap et SPL priority queue. Côté tableau, on aura SPL fixed array qui sera un tableau de taille euh, fixe. Et côté carte, on aura SPL Object Storage qui va nous permettre d'utiliser un objet en tant que clé. Donc c'est parti, euh, je reprends mon exemple de lecteur de musique. Ce qu'on n'a pas fait tout à l'heure, c'est implémenter une liste d'attente, une file d'attente, pardon. Pour ça, je vais utiliser une structure de données de la SPL qui est SPL Doubly Linked List. Cette structure de données, ce que je vais faire, c'est la configurer en mode FIFO. Donc, euh, le mode FIFO, c'est first in, first out. J'ajoute des éléments à l'intérieur. Et du coup, bah, les premiers éléments que je récupère, c'est euh, les premiers que j'ai euh, ajoutés également. Donc là, avec la méthode push, je vais pouvoir ajouter des musiques. Galateas Guitar, Easy Seed, The Dripping Tap. Et avec la méthode shift, ensuite, je vais pouvoir les récupérer dans l'ordre. Ça, ça va être également l'équivalent de la structure de données suivante, donc la SPLQ. Sauf que la SPLQ, je n'ai pas besoin de la configurer en FIFO. Euh, c'est déjà configuré en FIFO pour moi. Et plutôt que d'utiliser push et euh, shift, ce que je vais pouvoir faire, c'est utiliser enqueue et DQ. À présent euh, qu'on a notre liste, notre file d'attente, ce que j'aimerais intégrer dans notre lecteur de musique, c'est également un hit parade, donc une manière d'avoir des statistiques et de pouvoir trier euh, quels sont les artistes les plus populaires et les moins populaires. De manière classique en PHP, euh, ce que je peux faire, bah, c'est créer un tableau qui, tient, qui contient mes artistes. Chaque artiste a un nom ainsi qu'un nombre d'écouteurs euh, mensuels. Et ensuite, je vais utiliser la méthode usort pour pouvoir trier mes artistes. Une fois que j'ai trié mes artistes, euh, je vais pouvoir euh, euh, itérer sur le tableau d'artistes pour bah, finalement avoir les artistes dans l'ordre. Du coup, aujourd'hui, on est là pour parler de SPL. Euh, en SPL, ce qu'on peut faire, c'est utiliser la structure de données suivante, donc SPL-IP. spl, -hip. SPL -hip, c'est une classe abstraite, euh, donc il va falloir euh, l'implémenter, en tout cas l'étendre, et il euh, va falloir euh, implémenter la méthode compare. La méthode compare, elle est utilisée lorsque j'ajoute un élément dans ma IP. Euh, ce que ça va faire, c'est que bah, tout bêtement, ça va prendre mon élément et le placer au bon endroit dans ma IP. Donc, ici, j'instancie ma hit parade, j'ajoute des artistes, et euh, bah, finalement, j'ai tout simplement besoin euh, d'itérer sur ma, sur ma hit parade, et ferai mes artistes dans l'ordre du plus populaire au moins populaire. Si je suis un petit peu flemmard et que je n'ai pas envie euh, d'étendre des classes juste pour pouvoir trier des artistes, ce que je peux faire, c'est utiliser SPL Priority Queue, qui fait à peu près la même chose. Sauf que lorsque j'ajoute un artiste, donc grâce à la méthode insert, eh ben, je vais euh, cette fois passer deux arguments. Le premier, ce sera mon artiste. Et le second, ça va être euh, une priorité. Ici, ben, je décide d'utiliser le nombre d'écouteurs mensuels. Et encore une fois, si euh, j'itère sur ma, ma hit parade, ben, j'aurai mes éléments qui seront triés dans le bon ordre. Si on fait un petit point maintenant sur le côté euh, performance et euh, développeur expérience de la SPL, euh, ben on va se rendre compte de euh, la chose suivante c'est que euh, je vous fais un petit spoiler, mais c'est que c'est pas foufou. Euh, si je prends ma SPL Priority Queue et que j'ajoute des éléments, donc ici j'ajoute une requête, euh, un kangourou et une batterie chaque élément je les ajoute avec la même priorité, donc la priorité 1, je vais me rendre compte de la chose suivante. En tout cas, moi je m'attends à voir la chose suivante. Si j'iter sur ma SPL Priority Queue, je voudrais avoir les éléments dans l'ordre dans lesquels je les ai ajoutés. En réalité, je vais avoir la chose suivante donc euh, ma requête, ma batterie et mon kangourou. c'est un petit peu bizarre. Également, si je regarde un petit peu euh, bah, euh, quelles sont les méthodes de SPL Doubly Linked List, je me rends compte de la chose suivante. La méthode add, elle a deux arguments, donc un index et une valeur. Ce qui est un petit peu bizarre, euh, je trouve mal nommé pour le coup, elle euh, ferait mieux de s'appeler insert. Également, si je regarde splq, euh, eh ben, en fait, c'est une classe qui étend de SPLW linked list, ça veut dire qu'elle va avoir les mêmes méthodes. Typiquement, elle va avoir Shift, pourtant on a DQ qui bah, du coup, est un alias vers Shift. On a push qui euh, bah, du coup est également un alias, un alias vers NQ. Enfin, NQ est un alias vers, euh, vers push. Euh, donc, c'est un petit peu bizarre. On a quand même des méthodes qui, qui traînent. Et également, ce qu'on ce qu a, c'est euh, le set iterator mode sur notre SPLQ. Pourtant, une SPLQ, a priori, c'est quelque chose qu'on veut utiliser en tant que FIFO. Et hypothétiquement, ce que je pourrais faire, c'est le faire fonctionner en tant que LIFO. Donc, ce n'est pas exceptionnel. Côté performance, euh, bah, si on compare un tableau en PHP, donc euh, c'est euh, la ligne en bleu, et euh, une euh, SPLW-Link-List, la ligne en orange, ce qu'on va se rendre compte, c'est que lorsqu'on ajoute des éléments à l'intérieur, eh la SPLW-Link-List est à peu près euh, deux fois plus lente. Côté mémoire, euh, bah, la SPL -link list c'est un peu mieux. Ce qu'on voit, c'est qu'elle euh, euh, alloue de la mémoire au fur et à mesure, contrairement aux tableaux en PHP euh, qui prévoient euh, de la mémoire, enfin euh, prévoit de la mémoire à l'avance. Si je souhaite supprimer des éléments de ma liste, euh, bah, ce qu'on voit, c'est que ça se tient. Les tableaux en PHP et la SPL -link list c'est à peu près équivalent en termes de temps. Côté euh, mémoire, par contre, on voit que la SPL elle a un avantage, c'est qu'elle libère la mémoire au fur et à mesure, contrairement au tableau PHP qui bah, garde de la mémoire euh, allouée. Plutôt que de rester sur euh, une note un petit peu mythique, myraisin par rapport aux structures de données de la SPL, ce que je vous propose, bah, c'est de voir d'autres structures de données et de voir une autre extension PHP qui s'appelle PHPDS et qui a pour but un petit peu euh, bah de compenser tous les problèmes de la SPL, enfin des structures de données de la SPL, c'est-à-dire d'avoir des meilleures performances et avoir des, des classes qui sont mieux nommées, avec des méthodes qui sont mieux nommées. Et du coup, bah, je l'ai dit, c'est euh, PHPDS. Donc si je reprends mon exemple de SPL Priority Queue, ici j'ai mes, mes éléments qui sont ordonnés un tout petit peu bizarrement. Plutôt que d'utiliser SPL Priority Queue, si je la remplace par une DS Priority Queue, ce que je vais avoir, bah, c'est finalement mes éléments qui sont correctement ordonnés, en tout cas euh, ordonnés de manière logique. Je vais avoir ma roquette en premier, mon kangourou en deuxième et euh, ma batterie en troisième, parce qu'ils ont la même priorité. Si on regarde un petit peu euh, toutes les structures de données que compose euh, PHPDS, on va se rendre compte qu'il y en a euh, plutôt pas mal. Euh, on va avoir des vecteurs, euh, des decks, des queues, des stacks, des sets, des priority queues, ainsi que des maps. Je ne vais pas euh, vous parler de toutes ces structures de données, bien évidemment. Par contre, je vous propose de faire un petit euh, focus sur euh, les vecteurs et on va comparer les vecteurs euh, avec les tableaux en PHP et la SPL Double Linked List, comme on l'a fait juste avant. C'est parti. Si j'ajoute des éléments euh, dans chacune de mes structures de données, on se rend compte que euh, les vecteurs sont euh, plus rapides. Côté mémoire, on voit également que les vecteurs sont plus économes en mémoire. Si j'enlève des éléments euh, de mes vecteurs, euh, bon, Box euh, à, à nouveau tout se tient. C'est plutôt cool. Et euh, côté mémoire, par contre, euh, les vecteurs sont euh, donc déjà plus économes en mémoire. Que euh, nos, PHP, nos tableaux PHP et notre SPLW linked list. Puis après, bah, ça dépend des cas, mais globalement, on peut dire que les vecteurs sont un peu plus économes en général, en mémoire, que euh, les autres structures de données. On vient de le voir, du coup, les structures de données en PHP, enfin en SPL, c'est un peu bof. Euh, du coup, bah, ce que j'aurais tendance à dire, c'est de plutôt euh, aller s'orienter du côté de PHPDS, euh, puisqu'il y a des structures de données qui sont beaucoup plus intéressantes. Si vous voulez en apprendre plus par rapport à PHPDS, il y a Frédéric Boucherie qui en a parlé lors d'un Day qui a été filmé il y a quelques années, donc je vous conseille bah, d'aller voir sa conférence. À présent, ce qu'on va faire, c'est bah, parler de la dernière grande partie de la SPL, autrement dit les itérateurs. Donc c'est parti. Euh, Qu'est-ce que c'est un itérateur euh, Un itérateur, c'est une interface qui est en traversable. Cette interface, elle va nous dire quoi Elle va nous dire euh, il faut implémenter current, key, next, rewind et valide. Donc, current, c'est euh, un accessoire qui va nous permettre de récupérer la valeur courante. Key, c'est également un accessoire qui va nous permettre de récupérer la clé courante. Next, c'est une méthode qui va nous permettre de passer à l'élément d'après. Rewind, c'est une méthode qui va nous permettre de remettre notre euh, itérateur à zéro, autrement dit, bah, le, repos le repositionner sur le premier élément. Et Valide, euh, qui va nous dire Ok, est-ce qu'il reste des éléments dans ton itérateur euh, si oui, bah, on continue à boucler, sinon bah, on sort de notre boucle. Et ces méthodes elles vont nous permettre de faire l'équivalence suivante. Donc à gauche, j'ai une boucle for each, je passe à un itérateur, je récupère sa clé sa valeur. Et à droite, bah, euh, je vais utiliser la méthode rewind euh, pour remettre mon itérateur à zéro. Je boucle tant que euh, mon itérateur est valide, je récupère ma clé et euh, ma valeur courante. Et ensuite, bah, je, à la fin de ma boucle, je vais pouvoir passer au prochain élément. Et je vous propose à présent d'implémenter notre propre itérateur, donc un itérateur qui va calculer euh, la suite de Fibonacci. Donc c'est parti, euh, je commence par écrire ma méthode rewind pour repositionner mon, mon élément à 0, enfin mon, mon itérateur au premier élément. Dans rewind, euh, bah, je place du coup mon current, ma valeur courante à 0, ma clé à 0, et mon preview, je vais le passer à 1, ça va me permettre de faire mes petits calculs juste après. Dans la méthode next, du coup, ce que je vais pouvoir faire, c'est calculer quelle est la valeur, euh, bah, la nouvelle valeur. Donc ici, je crée une variable next, j'ajoute euh, previous et euh, current. Euh, ensuite, bah, euh, je mets dans ma valeur previous mon ancienne valeur courante. Je mets à jour ma valeur courante avec ce qu'on vient de calculer. Et ensuite, j'incrémente ma clé. Current et key, ça va être mes accessoires. Et finalement, notre itérateur il est valide à l'infini. On peut toujours renvoyer true. Donc si j'utilise ce Fibonacci itérateur à l'intérieur d'une boucle, bah, je vais pouvoir faire la chose suivante, faire un new Fibonacci itérateur. Euh, je sors de ma boucle au bout de 10 éléments, puisque je n'ai pas envie de boucler à l'infini. Et ensuite, euh, bah, ça va me donner tout simplement la suite de Fibonacci qui sera correctement calculée. La SPL, elle nous propose donc une tonne d'itérateurs, on ne va forcément bah, pas tous les voir, on va plutôt voir une petite sélection d'itérateurs qui sont intéressants et qu'on peut utiliser au quotidien. Euh, donc si je reprends à nouveau mon exemple de lecteur de musique, euh, ce que je souhaite faire c'est rendre euh, mon album itérable. Parce qu'un album finalement c'est une collection de sons, et potentiellement si je mets mon album dans une boucle for each, ce que je pourrais vouloir récupérer, c'est les sons de cet album. Donc c'est parti. Ce que je vais faire, c'est implémenter l'interface IteratorAggregate. Cette interface IteratorAggregate, ce qu'elle va me dire, c'est euh, bah, d'implémenter euh, une méthode qui s'appelle getIterator et qui me retourne un itérateur. En l'occurrence ici, je vais créer un itérateur ArrayIterator qui va prendre un tableau, euh, donc mon tableau de sons, et qui va bah, permettre d'itérer dessus. A savoir que bah, du coup là ce qui fait partie de la SPL c'est uniquement un ReIterator. Iterator. L'interface Iterator Aggregate c'est une interface qui provient de PHP. Donc là je peux créer tout simplement euh, mon, nouveau, mon nouvel album, donc instancier un album, et si je le passe dans une boucle for each, j'aurai les différentes musiques à l'intérieur. Notre lecteur de musique, il va avoir besoin d'une file d'attente pour ça. Ce que je, souhaite, ce que je vais faire, c'est utiliser un autre itérateur de la SPL, donc un append iterator. Append iterator, c'est un itérateur un petit peu spécial. Euh, c'est un itérateur qui va, dans lequel on va pouvoir insérer d'autres itérateurs. Typiquement, je vais pouvoir insérer dedans un premier album et ensuite un second. Et ce que va faire notre append itérateur, c'est qu'il va itérer sur les, les musiques du premier album et ensuite les musiques du second album. Donc typiquement, c'est parti, j'ai mon append itérateur, donc ma file d'attente, j'ajoute un album. Sauf qu'en réalité, ça, ça ne marche pas, parce que notre album, ce n'est pas un itérateur, c'est un itérateur aggregate. Pour corriger ce petit souci, ce que je peux faire, c'est tout simplement tester le type de mon itérateur. Ici, si mon album bah, c'est un, une instance d'itérateur aggregate, ce que je viens de faire c'est récupérer l'itérateur qui se situe à l'intérieur. Sauf que ça c'est quand même pas très pratique. Euh, et plutôt que de faire ça, ce que je peux faire, c'est euh, bah, d'utiliser à nouveau une, un itérateur de la SPL, itérateur iterator. Itérateur, itérateur, itérateur je vais lui passer donc soit un itérateur, soit un itérateur aggregate, et lui il va se charger de me rendre à un itérateur. Mon append je vais également lui ajouter euh, à l'intérieur un array Iterator, c'est quelque chose qu'on est capable de faire. Ici j'ajoute deux autres sons. Et finalement, bah, ça va me permettre de construire l'interface suivante. Donc ici, je vais avoir les quatre sons euh, de mon album et ensuite les deux sons que j'ai ajoutés dans mon Uray Iterator. Euh, on a une file d'attente, c'est bien, mais notre lecteur de musique n'est pas utilisable parce qu'il nous manque des fonctions. Et typiquement, cette fonction, ça va être bah, tous les petits boutons qu'on va retrouver en bas. Et la première fonction qu'on va implémenter, c'est une lecture en continu. Donc pour ça, euh, je prends ma souris, je viens cliquer sur mon petit bouton, et c'est parti. J'instancie un nouvel album, euh, et pour le lire à l'infini, ce que je vais faire, bah, tout simplement, utiliser un infinite iterator. Cet Infinite Iterator il va être construit avec un Iterator, donc notre album, et ensuite on va pouvoir boucler à l'infini sur notre album, enfin sur notre fil d'attente. La deuxième fonctionnalité que je souhaite implémenter, ça va être une lecture aléatoire. Pour ça, vous l'aurez compris, je viens cliquer sur mon petit bouton de lecture aléatoire, j'instancie un nouvel album, et ce que je viens faire, c'est créer un Random Iterator Aggregate. Donc notre random iterator aggregate va implémenter l'interface iterator aggregate. Il euh, faut que je crée ma méthode getIterator. Euh, à l'intérieur, je vais transformer le tableau de donc un, un itérateur qu'on aurait passé en constructeur. Je vais venir le transformer en tableau grâce à la méthode iteratorToArray, qui est une méthode de la SPL. Ensuite, je mélange mon tableau et je crée un nouvel array iterator à partir de ce tableau. Bon, c'est clairement pas très optimisé, il y a forcément des meilleures manières de faire, mais c'était juste pour l'exemple. Donc ici, je crée mon random itérateur aggregate, je lui passe un itérateur et c'est bon, je peux itérer sur mes musiques de manière aléatoire. La dernière fonctionnalité que je souhaite implémenter, ça va être de filtrer des sons qui sont explicites. Donc vous l'aurez compris, je prends à nouveau mon curseur, je viens cliquer sur le petit bouton de filtrage des sons. Et ici, j'ai un album qui contient un certain nombre de musiques qui sont explicites et d'autres qui ne le sont pas. De manière classique en PHP, ce que je peux faire, c'est boucler sur mon, sur mon album et bah, vérifier est-ce que, euh, est que ma musique euh, est explicite ou pas. Et en fonction, bah, on va continuer on va passer à l'élément suivant ou bien euh, on va bah, traiter notre musique. Donc ça, euh, c'est bien évidemment euh, la manière classique euh, de PHP de faire. On est là pour parler de SPL. Du coup, on a un itérateur qui s'appelle CallbackFilterIterator, dans lequel on va passer un itérateur et ensuite une, euh, une fonction de callback qui va nous permettre de filtrer nos sons. Et ensuite, bah, je peux euh, itérer sur euh, mon itérateur et ne plus avoir mes musiques explicites. Donc, finalement, les itérateurs, c'est quelque chose qui est plutôt bénéfique. Euh, on valide. Ça nous permet de rendre notre code beaucoup plus découpé, euh, potentiellement de composer des itérateurs pour euh, composer bah, justement des fonctionnalités et euh, bah, finalement de rendre notre code plus testable. Si euh, je regarde un petit peu du côté des différents frameworks et outils qu'on utilise euh, tous les jours, on se rend compte que la SPL elle est utilisée couramment. Typiquement, bah, on va retrouver des exceptions, euh, le, euh, des runtime exceptions, par exemple, dans la Ravel. Euh, côté Composer, vous l'aurez compris, je l'ai dit en, en tout début, mais on va retrouver SPL AutoLoad Register. Côté Symfony, on va avoir euh, des structures de données qui sont utilisées comme euh, SPL Object Storage. Et euh, côté SIGUS, par exemple, on va euh, avoir l'usage d'Iterator, donc euh, typiquement à Iterator Aggregate, Array Iterator. Je vous remercie et euh, bah, on peut passer désormais aux questions. Merci beaucoup Florian. Effectivement, on a le temps pour quelques questions, donc euh, j'ai passé le micro et, et Sioufong aussi, donc n'hésitez pas, levez la main. Et là-bas. Où ça Sur la droite. Bonjour, merci pour la présentation. Euh, je voulais savoir si PHPDS est natif ou il faut l'installer euh, Du coup, PHPDS, c'est une extension PHP et à la fois, c'est une euh, dépendance Composer. En fait, tu as le choix de soit installer l'extension PHP et dans ce cas-là, tu vas avoir euh, des super bonnes performances en plus bah, de classes bien nommées et euh, si euh, potentiellement tu n'as pas envie d'installer euh, l'extension PHP, tu peux quand même profiter des classes et des, des fonctions de PHPDS DS bah, grâce à, à l'extension enfin euh, au package composer PHPDS, qui du coup bah, est un polyphile. Bonjour, merci pour la présentation. Euh, au niveau des performances pour tout ce qui était euh reaccess ouais. à la fin, euh, on est sur quoi parce que notamment le filter par exemple versus un for each versus un if euh, euh, à l'intérieur il y a en termes de perf ouais alors c'est un truc je ne suis pas trop rentré dedans mais euh, typiquement l'ordre de grandeur il est assez énorme euh, quand j'insère des éléments là typiquement j'en insère euh, 2 puissance n donc à la fin c'est 2 puissance 20 en réalité, côté performance, ça va être intéressant quand on va avoir des super grands jeux de données. Donc ce n'est pas forcément utile quand on en manipule peu. En tout cas, côté performance, par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de profiter de toutes les fonctionnalités, typiquement en priority queue, d'avoir des priorités, ce genre de choses. On a encore le temps pour deux-trois questions, si vous voulez. Bonjour, je voudrais savoir si les différences de performance entre iterator et le for each. Euh, Pardon S'il y a une différence de performance entre un simple for forage et un iterator euh, Bah du coup tu vas, c'est une bonne question. Euh, du coup, euh, je pense que ça dépend de Je euh, J'ai pas forcément fait des benchmarks là-dessus, mais euh, typiquement. Euh, bah, sur notre itérateur, callback filter itérateur, ce sera forcément dépendant de la callback que tu implémentes. Si la callback elle prend énormément de temps, bah, du coup, ton forage que tu vas utiliser, enfin, euh, du coup, ton forage, il va forcément prendre plus de temps. Là-bas. Oh, pardon. <laughs> Euh, merci pour la conférence. Je voulais te poser une question par rapport à l'usage de la mémoire que tu as montré tout à l'heure. Tu disais que les tableaux libéraient pas la mémoire. Ouais. Est-ce que du coup, ça veut dire que c'est parce que quand on utilise la SPL, quand on fait un shift, ça dépile l'objet et du coup, il est plus présent dans le tableau, comme si on faisait un unset euh... Est-ce que du coup, si on fait un unset sur un tableau, ça libère la mémoire ou bah, du... Coup, si tu fais un unset sur un tableau, c'est une bonne question, j'ai envie de croire que ça ne va pas libérer la mémoire, ça va juste supprimer l'élément. Mais du coup, euh, bah, tu auras quand même l'espace mémoire euh, du tableau qui aura été euh, augmenté et qui du coup ne bah, euh, va pas être euh, libéré, je pense. On a le temps pour une toute dernière. Je profite pour répondre à la question, puisque tu as fait référence à ma conférence précédente. <laughs> oui, en fait, les unsets sur les tableaux, ça ne libère pas, ça libère que quand tu as enlevé tous les éléments. Donc la mémoire reste, mais c'est vraiment quand on fait le unset complet où là, à ce moment-là, la mémoire est libérée. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais merci. Et du coup, bah, sur cette euh, dernière question, bah, on va terminer la conférence. Merci à toi Florian. Merci.